En 50 avant Jésus-Christ, nos ancêtres les Gaulois avaient été vaincus par les Romains après une longue lutte. Les chefs, tels que Vercingétorix, doivent déposer leurs armes aux pieds de César. Toute la Gaule est occupée. Toute, non, car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Une petite région entourée de camps retranchés romains. C'est dans ce village que nous allons faire connaissance avec le guerrier Astérix. Tiens, le voilà justement qui part pour la chasse, son sport favori. Tu reviens bientôt, Astérix, hein? Je serai de retour pour le déjeuner. Ah, ça sent le romain par ici. Qu'est-ce qu'il dit, Dan? Nous vous le disons, les Romains en perdaient leur latin. À petit bonhomme, dans la tente de Caius Bonus, très absorbé. Ave Caius Bonus. Eh, hey, oh, la patrouille est de retour. Ah. Ave Julius Pompilus. Je vais aller les voir. Ave. Par tous les dieux, que vous est-il arrivé? Avez-vous été attaqué par une force supérieure en nombre? Supérieure en nombre? Mais on peut pas dire, hein. Ils étaient, hein. Oui, et pas bien gros avec ça. Oh, par Jupiter, il doit y avoir un sacré dans la force de ces Gaulois. Alors, Astérix, rien de spécial? Non. Ah, si. J'ai assommé 4 Romains. Ah, bon. Dis, Obélix, tu viens manger le sanglier avec moi? Encore 2 menhirs à livrer et puis j'arrive. Miam, miam, sanglier, hein. Ils doivent en faire des têtes, les Romains. Ils vont sûrement lancer une nouvelle offensive. Moi, tant que Panoramix continuera à préparer sa potion magique. Mais j'y pense, c'est le jour de ma ration. Allons voir le druide. Tu viens, Obélix? Mais Astérix, j'ai à peine entamé les hors d'œuvre. Tu l'entends? Il doit être dans le feuillage en train de couper le gui avec sa serpe d'or. Panoramix! Oh, druide! Oui, aïe, aïe, ouh, oh. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Panoramix? Tu m'as effrayé! Je me suis coupé avec ma serpe! Excuse-moi, mais c'est le jour de ma ration de potion. Oh, d'accord. Venez chez moi. Voici la potion qui rend invincible. La potion magique qui décuple les forces. Quelle est la recette de cette potion, oh druide? L'origine de cette potion se perd dans la nuit des temps. Elle ne se transmet que de bouche de druide à oreille de druide. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a du gui et du homard. Le homard n'est pas nécessaire, mais ça donne du goût. Je peux en avoir. Non, non, Obélix, non, et tu le sais bien. Je vais tomber dans la marmite étant bébé. Les effets de la potion sont permanents chez toi. Oh. Oh. Si tu allais faire un petit essai, Astérix. Ah, j'y cours. Thank you.
hommes, comme je les plains. Au fait, oui, c'est Romain. Que mijote-t-il en ce moment? Les Gaulois que nous assiégeons depuis des années nous narguent. S'ils se mettent à un contre quatre, c'est plus du jeu. Ils nous ridiculisent. Nous devons découvrir le secret de leur puissance. Tu as raison, Marcus Sacapus. Il me faut un volontaire pour aller espionner chez les Gaulois. Devant l'afflux des volontaires, nous allons recourir aux chaises musicales pour désigner l'espion. Pour jouer à ce vieux jeu romain, il faut un siège de moins qu'il n'y a de légionnaires. Quand la musique s'arrête... C'est Caligula Minus, c'est Caligula Minus. J'irai pas chez les Gaulois. César te récompensera. Non, j'irai pas. Je te ferai embrocher si tu n'y vas pas. Bon, j'irai. Grimez-moi ça en Gaulois. Pendant ce temps, chez les Gaulois... Les Romains se tiennent tranquilles depuis trop longtemps. C'est mauvais signe, soyez donc vigilants. Et n'oubliez pas de prendre votre potion. Vive un vrai incoucis, notre chef. Vive un vrai incoucis, notre chef. Chef. Qu'y a-t-il, Obélix? Eh ben, on veut pas me donner de potion. C'est pas juste, hein? C'est pas juste, mais je me sens un peu faible. Faible? Oui. Assurance Tourix, le barde. Je vais entonner un chant pour donner du courage aux guerriers. Barbares. Ils ne comprennent rien à mon art. Caligula Minus est prêt, Caius Bolus. Allons voir ça. Enchaînez-le. Nous allons te promener près du village gaulois. Quand les Gaulois te verront, ils viendront te délivrer. Ainsi, tu pourras entrer chez eux et ils te confieront bientôt leurs secrets. Hein? Que penses-tu de mon plan? Mais il n'en pense rien. Il n'a rien compris. Emmenez-le tout de suite. Hé, doucement. Je suis un faux prisonnier, moi. Je suis un vrai Romain. J'aimerais bien une bonne bagarre. Ouais, faut pas trop y compter. Les Romains, ils sont devenus prudents à force de recevoir des coups sur la tête. Arrête. Hein? Un bruit de chaîne, de pas et de lamentation. Cachons-nous. On va marcher longtemps comme ça? Tais-toi, Caligula Minus. Tu seras le seul épargné quand les Gaulois nous tomberont dessus, après tout. Regarde! Des Romains avec un prisonnier gaulois. Nous allons le délivrer. Si on les ranimait pour recommencer. Non, viens, il se fait tard. Eh, viens, mon petit. Mais...
accompli. Nous allons te libérer de tes chaînes. Mais il faudrait un marteau, des outils. Oh, les outils, c'est nous. Mais qui es-tu? Je suis Liminix. J'habite Lutèce. Mais pourtant, là-bas, les Romains sont en paix avec les Gaulois. Oui, mais à leurs yeux, avec mon air rusé et éveillé, j'étais un espion. Oh, les Romains, ils ont pas les yeux en face des trous. L'héroïque détachement commandé par Marcus Acapus revient au camp retranché de Petit Bonhomme. Ah ben, les Gaulois sont venus, ils ont vu, et ils ont emporté Caligula Minus. Belle victoire pour nous. Espérons que Caligula Minus nous reviendra en un seul morceau. Je l'espère pour lui. Sinon, ces morceaux auront affaire à moi. Allez à Jacques Test. Pardon. Nous arrivons à notre village. Là, tu seras en sécurité. Il n'y a que des Gaulois. Oh, chic. Chic. Hey, Astérix et Obélix sont de retour. Ils ramènent quelque chose. Nous allons te présenter à notre chef, à bras raccourcis. Où sont les Romains? Je veux des Romains. Je veux des Romains. Nous y voilà. Sois le bienvenu, frère. Chez nous, tu es chez toi. Je vais entonner un chant de bienvenue. Ramène-toi dans le village jusqu'au repas. Bon. Oh, je suis curieux de voir avec quel outil il travaille le métal. Alors, ce bédir, ça vient? Le voilà, il marche! Oh, ils sont vraiment très forts! Il y a sûrement un secret dans cette force. Caligula Minix! Le repas est prêt! Il y a du sanglier! Du sanglier? Il y a un secret qui vous donne cette force surhumaine. Oui, mais je ne peux pas le révéler. Mais mange ton sanglier, il va être froid. Pourquoi tu ne peux pas me révéler ce secret? Parce que c'est un secret. C'est pas juste. Si on se dit pas tout entre Gaulois, où allons-nous? Si j'étais fort comme vous, je pourrais traverser les lignes romaines et retourner parmi les miens, à Lutèce. Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait manger son sanglier. Ma famille, elle doit s'inquiéter. Bien, nous allons voir le druide. Panoramix! Panoramix!
boule. Aïe. Que veux-tu, Astérix? Moi, rien. C'est mon ami Caligula Minix qui aimerait connaître le secret de notre force. Pas question, absolument pas question. Mais je dois retourner chez moi, reprendre mon travail. Mais au fait, quel est ton travail? Je suis guide. Je fais visiter Utesse la nuit aux barbares venus faire du tourisme. Non, non et non. Très bien, oh, j'ai compris. J'essaierai de rentrer quand même. Et si les Romains me font dévorer par les lions, entre chaque bouchée, je dirais c'est la faute à Panoramix le druide. 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 Bon, bon, ça va. Caligula Minix revient. Caligula Minix revient. Je consens à te montrer mon secret et même à t'y faire goûter. C'est un secret qui se mange? Va prévenir les autres, Astérix. Va y avoir de la potion! Va y avoir de la potion! Va y avoir de la potion! 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 Va y avoir de la potion! 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 Une portion de cette potion te donnera la force nécessaire pour retourner à l'utesse. Mais les effets se dissiperont vite. On dirait un potage aux légumes. Oui, mais je peux faire plusieurs parfums. Soupe aux poissons, omelette au fromage, canard à l'orange, praliné. Mais je ressens aucun effet spécial. Essaie de soulever cette pierre là-bas. Oh, je pourrais jamais. Eh bien, petit, il faut faire attention tout de même. Danser? Que la fête commence! On commence! Un pas à droite. Un pas à gauche. Les uns avancent, les autres reculent. Saluez-vous, donnez-vous la main. Tirez-vous les moustaches. Tirez-vous les moustaches. Ce sont des moustaches amovibles. À vitesse, c'est le dernier cri. Tu n'es pas un Gaulois, tu es un espion romain. Attrapez-le! Inutile de le poursuivre. Il vient de boire de la potion. C'est grâce à ta potion qu'il s'échappe.
Par ma chère Poudon, c'est toi qui as insisté pour que je lui en donne. Bon, ça ne fait rien. L'espion ne sait pas grand-chose et les effets de la potion se dissiperont vite. Halt! Où je... Avec Gaius Bonus, j'ai le secret de la force des Gaulois. Fais une potion magique. Où est cette potion? Là, là, là. Viens, Caligula Minus. Je veux voir les effets produits par cette potion. Balai! 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 Lui nous battre? Par Jupiter! C'est trop drôle! Et voilà. Merveilleux, prodigieux. L'ennui, c'est que nous n'avons pas la potion sous la main pour en étudier les ingrédients. Et non. On n'a qu'à ouvrir comme un lapin. Essayez seulement. Allez-y, essayez. Ton idée a du bon, mais Caligula Minus refuse de coopérer. Allez, essayez, essayez. Et cette potion, elle fait de l'effet pendant combien de temps? Ben ça, j'ignore. Soulève donc cette pierre. Et voilà! Parfait! Ne bouge plus! Quand cette pierre sera trop lourde pour toi, cela voudra dire que les effets de la potion auront disparu. Longtemps après... Tu te sens plus aussi fort, hein? Hélas, non. Il me faut la recette de cette potion et je deviendrai empereur. Caius César. Pendant que rêve Caius Bonus, chez les Gaulois... Je vais cueillir du gui dans la forêt. Veux-tu que je t'accompagne? Non, Astérix, reste ici pour garder le village. Ta force vient de ma potion, mais ton intelligence et ta ruse n'appartiennent qu'à toi. D'ailleurs, j'en viens tout de suite. Ah bon, bien, bien. Allons la druide, au Caius Bonus. Bravo, Tullius Octopus. En récompense, tu auras une permission pour aller à Rome, voir les jeux du cirque. Chic, je vais aller au cirque, je vais aller au cirque. Alors, druide, livre-moi ton secret. Ça va pas, non? Emmenez-le à la torture, et qu'on appelle le bourreau. Je suis sûr qu'il va parler. Tu parles? Tu parles. Enfin, druide, ce n'est pas du jeu. Nous te torturons depuis des heures et ça ne te fait rien. Si, ça me fait passer le temps. Druide, si tu parles, je ferai de toi un homme riche et puissant. Non. Tu auras des sesterces. Des tas de sesterces. Non. Les pouvoirs magiques de ce druide sont trop forts pour moi. Il est têtu, oui qu'il est têtu.
pas, qu'est-ce qui se passe, Astérix? T'as l'air inquiet, Astérix. Le druide est parti cueillir du gui dans la forêt. Il n'est pas rentré. Je vais le chercher. Mais attention, Astérix, ça fait longtemps que t'as pas bu de potion. Bon, je me fie à ma ruse. Panoramix! Oh, druide! Panoramix! Oh! Panoramix! Panoramix! Je suis un marchand de bœufs et vraiment très malheureux. Si je vends mes bœufs au marché, qui va pouvoir me transporter? J'hésite à vendre mes bœufs. Que deviendrai-je sans eux? Pour moi, c'est un vrai cauchemar. Comment vais-je tirer mon chat? Je dois continuer mon chemin, pas laisser pourrir mon foin. Sans bœuf, je n'avancerai plus. C'est sûr, je suis un homme perdu. Je suis un marchand de bœufs et vraiment très malheureux. Si je vends mes bœufs au marché, qui va pouvoir transporter? Ne te tracasse pas, l'ami. Change de métier. Comment? Bah, fais-toi marchand de char. Quoi? Tu vendras ton char et tu rentreras avec tes bœufs. Lumineuse, prodigieuse idée! Je suis le marchand de char du monde entier, le plus vénard. Oui, suffit! Dis-moi, as-tu vu passer un druide qui faisait la cueillette du gui? Non, j'ai vu passer un druide, mais celui-là était dans un filet que des légionnaires conduisaient un petit bonhomme. Quoi? Conduis-moi un petit bonhomme! Mais ce n'est pas moi le chemin! Petit bonhomme est le plus grand marché de chars de la région. Et c'est l'époque du salon du char d'occasion. Quelle aubaine pour moi de t'avoir rencontré. Ah, voilà. Nous arrivons à Petit Bonhomme. Pourquoi te caches-tu? Ah, c'est pour faire une bonne farce à mes amis romains. Ça, c'est bien. J'adore les farces. La bêtise de ce marchand est un grand prodige, Bartoutatis. Halt! Que transportes-tu dans ton char, marchand? Rien. Par Jupiter! Te moques-tu de moi? Que se passe-t-il, Gracchus Sextilius? Ce marchand se moque de moi, Claudius Catilius. Laisse-le entrer, je le connais, il est inoffensif. Oh, ce Nigo a failli tout faire rater. Nous sommes dans le camp. C'est maintenant que tu fais la farce. Non, la nuit tombe. Je vais attendre le matin, ce sera plus drôle. Ah bon? Bonne nuit!
maintenant, cherchons le druide. Voyons par là. Couche-toi et mange. Oh, Marcus Sacapus, mon fidèle second. Nous avons à parler. Merci. Oh, Caius Bonus. Il faut que nous obtenions la recette de la potion du druide. Avec elle, nous serons invincibles. Nous irons à Rome et nous prendrons la place de César. Jules César. Parfaitement, Jules. Et à nous deux, nous formerons un triumvirat. J'ai besoin de toi, mais après je le formerai seul, le triumvirat. Je le ferai manger par les lions à Rome. César, ça sera moi. Moi tout seul. Ça est bien intéressant, mais ça ne me dit pas où se trouve Panoramix le druide. Il se trouve sûrement dans cette tente solidement gardée. Vous permettez? Je viens délivrer Panoramix le druide. C'est un ami. Ne le laisse pas sortir! C'est un de ces gros loins invincibles! Je veux chercher du renfort! Bon. Astérix! Ça va? Quelle folie! Oh, Astérix, que de t'être venu fourrer dans la gueule du loup. Chef! Chef! Ces gens ne peuvent rien contre mes pouvoirs magiques. Justement, on va s'amuser un peu à leurs dépens. J'ai quelques idées. Chef! 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 Oh, Caius Bonus! Quoi encore? Nous avons capturé un gourlois dans la tente où se trouve le druide. Mais il faut du renfort pour empêcher le prisonnier de s'en aller. Par Jupiter, que l'on sonne l'alarme. Centurion, comme le fit notre chef Vercingétorix à ton maître César. Alors quoi? Je me rends, faites quelque chose. J'ai pas de temps à perdre, moi. Saisissez-le, pleutre, ou je vous fais dévorer au cirque par les lions. Au cirque? Par les lions? Eh ben... Thank you.
Que se passe-t-il? C'est un Gaulois qui s'est introduit dans le cadre. Ça, c'est pas bien. Il n'a pas attendu mon réveil pour faire sa farce. Ça, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Tu n'as pas voulu parler, druide, mais demain, sous la torture, ton ami sera peut-être plus loquace. Il ne s'imagine pas à quel point je vais être loquace. Je vais loquacer comme on n'a jamais loquacé. Silence. On vient. Caius Panus désire vous voir. Secret de la potion magique. Moi? Non. Pour la dernière fois, druide, donne-moi cette recette ou je fais torturer ton ami. Je ne crains pas la torture. J'ai confiance dans le courage de mon ami Astérix. Nous allons voir. Que l'on lue ce Gaulois sur cette table. Que l'on convoque le bourreau. J'arrive. J'arrive. Me voilà. Toujours prêt. Pitié! Ah, ah! Oh, pitié! Ah, ah! Je n'en peux plus! Assez! Assez pitié! Ah, ah! Pour l'amour de tout Atis, arrêtez! Je ne peux plus supporter ces cris plus longtemps! Ah, me direz tout! Arrête! Bourreau! Pitié! Je n'ai pas encore commencé, moi! Ah, oh, pitié! Ah, ah! Eh bien, druide, donne-nous cette recette, sinon il en cuira, ton ami. Je préparerai la potion devant toi, mais il me faut de nombreux ingrédients qui se trouvent en forêt. Ils sont doués, ces gros loups. Tu auras ce dont tu as besoin. Que l'on escorte le druide. Je garde notre Gaulois en otage. Du gui, des herbes, des racines, des fleurs, des fronts. Le druide est de retour. Il réclame une marmite. Qu'on la lui donne. Une pincée de sel, un soupçon de poivre. Laissez frémir. Oui, vite. Il manque quelque chose. Quelque chose de très important. Quoi? Des fraises. Des fraises? En cette saison? Évidemment, ce n'est pas facile. On pourrait attendre la saison. Non, vite! Que l'on dépêche des messagers! Il me faut des fraises! Des fraises, il y compresso! Astérix, tes idées ont du bon. Ton idée de les envoyer aux fraises n'est pas mal non plus. Ça nous fait des vacances aux frais de César.
des jours que les messagers sont partis. Et aucun n'est encore revenu. Les messagers sont revenus au Caius Bonus. Enfin ! Ave, Caius Bonus. Ave, ave, les enfants. Alors, vous avez des fraises ? Non. Pas de fraises. On a cherché partout. Il manque encore Tullius Octopus. Me voici au Caius Bonus. J'ai trouvé des fraises au Caius Bonus. Je les ai achetées à prix d'or à un marchand grec que je rencontrais par hasard sur la route. Donne ! Cette fois-ci, c'est dit. En récompense, tu auras une permission pour aller à Rome voir les jeux du cirque. Je vais aller au cirque. Je vais aller au cirque. Druide, voici les fraises que tu m'as demandées et dont tu as besoin pour ta potion magique. Qu'en penses-tu, Astérix ? Elles n'ont pas l'air formidables. Pas mauvaise. Hein? Réflexion faite, ces fraises étaient excellentes. Oui, c'est bien celle-là qu'il me faut. Allez donc m'en chercher d'autres. Oh! Mais je commence à en avoir assez, moi! C'est pas juste. Allons, allons, du calme. Je vais vous la préparer, votre potion. Mais oui, mais oui, mais oui. On peut très bien faire cette potion sans fraises. Ce sera moins bon, c'est tout. Oh, et encore, les fraises, ça donne un arrière-goût. C'est prêt. Il n'y a plus qu'à servir chaud. Donne ! Qui me prouve que cette soupe n'est pas du poison, par Jupiter ? Si cela peut calmer tes craintes, je veux bien le boire, ce potage, par Toutatis. Non ! Si cette potion est la vraie, tes forces décupleraient. Tu serais invincible. Il me faut un volontaire. J'ai dit ! Il me faut un volontaire! Oh, Caius Bonus, plutôt que de risquer la vie d'un légionnaire, il nous faudrait un être inoffensif qui nous servirait pour l'expérience. Tu as raison. Hé, l'ami! Viens donc! Qui? Moi? Alors, mon bon ami, tu vas bien? Non, je vais pas bien. On m'a dit que je pourrais vendre mon char, mais personne ne veut acheter mon char. Et j'ai besoin de mes bœufs. Et tout ça, c'est de sa faute. J'ai pas très bien compris ton histoire, mais pour te consoler, goûte donc ce breuvage. Non, merci, sans façon. Goûte! Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Vous avez jamais vu un marchand de char boire du potage? Après avoir bu cette potion, tu es l'homme le plus fort du monde. Moi? C'est une farce! C'est un farceur! C'est ce que nous allons voir. Frappe quelqu'un! Mais je suis fâché avec personne. Involontaire pour recevoir un coup de poing. J'aimerais un peu plus d'enthousiasme quand je demande un volontaire. Moi, je suis volontaire. Toi? Et c'est une excellente idée. Frappe.
Allez, frappe! Alors, tu frappes? Mais frappe, enfin! Merveilleux! Prodigieux! Ça t'a fait mal? J'ai cru que le ciel me tombait sur la tête. Bon, si on n'a plus besoin de moi, je m'en vais. Je suis le marchand de bœufs du monde entier le plus heureux. Si je vends mes bœufs au marché, je pourrais tous voyager. Enfin, je peux vendre mes bœufs, je me débrouillerai bien sans eux. Pour moi, fini le cauchemar, je pourrais tirer seul mon char. Je vais continuer mon chemin et vais garder tout mon poing. Je suis devenu le plus fort, à moi les petites pièces d'or. Je suis le marchand de bœufs du monde entier le plus heureux. Si je vends mes bœufs au marché, je pourrai toujours voyager. Cette potion, un tourment, quelque chose de magique. Allez, va! Venez tous boire de la potion magique! La route de Rome nous est ouverte au Marcus Agapus. Les jours de César sont comptés. Toi, druide, consigne par écrit la recette de cette potion. Après quoi, nous nous débarrasserons de ces deux Gaulois. Ce sera pour eux une leçon. Poil au menton. Ah, essayons notre nouvelle force.